municipale. Je salue la présence du président de la communauté des communes, Frédéric Rey, accompagné du vice-président en charge du PLUI, Julien Lacaze, pour cette séance qui sera largement dédiée au PADD du PLUI. Je veux signaler quelques procurations. Madame Noguer a donné procuration à Madame Boson, Monsieur Bullet à Monsieur Roucault, Madame Spadiliero à Madame Boiry, Monsieur Stultz à Madame Skrinski et Monsieur Penn à Monsieur Médiamol. Je vais demander à Madame Boson d'être secrétaire de séance. Donc, comme je le disais, cette séance porte essentiellement sur le débat relatif au PADD du PLUI. Et donc, il y aura une présentation faite par le bureau d'études en ouverture. Il n'y a pas eu de questions diverses qui ont été portées à l'ordre du jour, mais je me permets de rajouter un point, qui est la constitution d'une commission communale pour les dénominations et numérotations des rues, et également un point d'information sur justement les différentes demandes de constructibilité de certains terrains communaux. On évoquera ça à la fin de l'ordre du jour. Je veux enfin informer les conseillers que le dernier enregistrement audio du conseil municipal a été mis en ligne le 17 juillet et que son procès-verbal a été envoyé à tous les membres du conseil municipal avec la convocation pour cette séance. Voilà. Donc, avant de passer au premier point, le point zéro de l'ordre du jour, je vais passer la parole au bureau d'études pour la présentation du PADD en 30 minutes à peu près. Et comme ça, après, on pourra avoir quelques questions. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous êtes en conseil municipal pour débattre sur le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal. Il faut savoir que c'est une étape obligatoire, qu'avant chaque débat en conseil communautaire, il y a un débat dans chacune des communes de la communauté de communes à Dourmadiran. Je vais vous faire un bref rappel du PLUI, pourquoi faire et avec quelles échéances. Le plan local d'urbanisme intercommunal est un document d'urbanisme unique pour un développement cohérent à l'échelle des 72 communes d'Adourmadiran. Que deviendront les PLU, cartes communales, POS en vigueur jusqu'à l'approbation du PLUI, dont le PLU de Vic-en-Bigorre? Le PLUI doit entrer en vigueur d'ici 2020-2021 et il remplacera de fait le PLU communal. Jusqu'à ce moment-là, le PLU de Vic-en-Bigorre continue de s'appliquer. Un bref rappel, le PLUI doit respecter l'ensemble du code de l'urbanisme et prend donc en compte les évolutions législatives qu'il y a eu lors de la dernière décennie, notamment la loi Allure, accès au logement et un urbanisme rénové, la loi d'avenir pour l'agriculture, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron en 2015, dernière en date la loi Elan de l'année dernière. Et ce PLUI, et notamment le cœur du projet qui est le PADD, doit traduire justement ce projet de territoire d'Adourmadiran en termes de développement de l'habitat, des équipements, des activités, commerce, paysage, patrimoine. Et puis l'ensemble des lois quand même qui se sont succédées ont progressivement renforcé à la fois les objectifs en matière de gestion économe de l'espace et la préservation aussi des milieux naturels dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, tout ce qui est trame verte et bleue. Donc il faut le garder à l'esprit aussi pour comprendre le projet dans son ensemble. Les étapes du PLUI, c'est assez simple. Il y avait une phase de diagnostic qui a été réalisée. Le projet politique qui a été réalisé et qui est débattu actuellement dans chacune des 72 communes avant d'être débattu en conseil communautaire. Nous sommes en train aujourd'hui de travailler avec l'ensemble des communes sur la traduction réglementaire, fixer les règles d'aménagement, définir un plan de zonage et un règlement écrit. Et il y aura toute la phase de validation de ce projet avec un arrêt prévu idéalement avant Noël de cette année pour une approbation fin 2020 ou début 2021. Donc le PADD à débattre, je vais essayer d'être très synthétique à la demande de Monsieur le maire pour vous présenter ce projet politique qui constitue l'ensemble des orientations qui sont prises par les élus communautaires sur le PLUI. Donc, il y a quatre grands axes qui composent le PADD. Un premier axe qui est mettre en œuvre un projet de territoire durable et économe en espace qui va traduire l'ensemble des orientations en matière d'urbanisme et d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
qui sont des objectifs aujourd'hui obligatoires à afficher dans un PADD. Un deuxième axe plutôt sur le volet d'accompagnement de la dynamique démographique et résidentielle via la mise en œuvre d'actions en faveur des équipements, des services et des mobilités. Un troisième axe pour promouvoir le développement économique sur le territoire en s'appuyant notamment sur ses spécificités locales, en complémentarité bien sûr avec les pôles d'emploi voisins, et notamment l'agglomération Tarbes, Pau également, car à l'échelle des 72 communes, il y a des communes qui sont sous influence de ces pôles majeurs. Et puis, quatrième grand axe, c'est la préservation et la valorisation du patrimoine paysager, bâti et naturel, atout majeur de la qualité du cadre de vie d'Adour-Madiran. L'ordre de ces objectifs ne constitue pas un ordre de priorité, hein, je préfère le préciser. Mais tout d'abord, il y a un scénario de développement qui a été réalisé et il s'est appuyé sur le schéma de cohérence territoriale du Val d'Adour, qui est un document cadre et qui prévoit de fixer finalement le rythme de développement à un horizon 2030 de l'ensemble des communes et du territoire. Et pour les trois communes pôles, alors il y a 8 bourgs centrés sur ce SCOT du Val d'Adour, dont font partie les trois pôles du territoire, Maubourguet, Vic-en-Bigorre et Rabastens de Bigorre. Et ce SCOT fixe pour les années à horizon 2030 24 nouveaux logements par an à produire, maximum pour la commune de Vic-en-Bigorre. Alors ça reste une moyenne, ce n'est pas en soi un objectif annuel, mais bien une moyenne pour calibrer le document d'urbanisme. Donc ça, c'est pour les pôles où le nombre de logements à produire est bien fixé. Et pour les communes rurales, l'objectif du SCOT était de recentrer l'urbanisation sur les bourgs-centres, les 8 bourgs-centres du Val d'Adour. Mais par contre, pour les communes rurales, pour limiter l'effet de développement périphérique, l'objectif a été de limiter le départ des populations vers les communes les plus rurales et donc de se fixer un nombre de développements en fonction de la dynamique qu'elles ont connue sur les 10 dernières années. Passé ce constat, les élus de la communauté de communes ont choisi un scénario multicritère pour répartir justement les logements à l'échelle des communes rurales au-delà des trois bourgs-centres qui, eux, avaient un nombre de logements fixe. Donc, ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, il est prévu pour les 10 prochaines années d'accueillir à peu près, enfin, de construire sur le PLUI à Adour-Madiran de l'ordre de 1050 à 1100 logements sur les 10 prochaines années en moyenne. Totalement. Ce qui fait de l'ordre de 530 logements sur le bassin de vie de Vic-en-Bigorre, qui est l'ancienne communauté de communes Vic-Montanée, dont 240 sur le bourg centre de Vic-en-Bigorre pour les 10 prochaines années. Donc l'objectif pour Vic, c'est 240 logements. Premier axe, mettre en œuvre un projet de territoire durable et économe en espace. Donc une fois qu'on a notre nombre de logements à créer, il y a différents objectifs qui ont été fixés, comme notamment promouvoir un urbanisme durable, économe en espace et respectueux des structures héritées. L'objectif global à l'échelle du PLUI, c'est de réduire d'au moins 30% la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers liés au développement urbain, sachant que sur les années 2001 à 2016, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 382 hectares qui ont été consommés à l'échelle de la communauté de communes. Et sur les 10 prochaines années, c'est à peu près 144 hectares qui sont prévus en termes de développement urbain pour l'habitat. Une fois qu'on a décidé de réduire cette consommation des espaces agricoles, il y a aussi le travail qualitatif, essayer d'apporter un développement respectueux des structures héritées, que ce soit des villages ou des paysages. Donc l'objectif, c'est de développer de manière cohérente à l'échelle de l'ensemble des communes. Deuxième objectif, poursuivre la diversification des formes d'habitat pour répondre aux besoins et aux moyens des générations actuelles et futures. Dans cet objectif est développé, vous l'avez eu, le fait de devoir diversifier un peu le type d'habitat, essayer de sortir du développement traditionnel de maisons individuelles, mais de proposer parfois, et notamment sur les bourgs-centres, différentes formes d'habitat pour répondre à l'ensemble des demandes de la population, que ce soit les jeunes ménages ou les personnes âgées. Et enfin, troisième objectif, concilier aussi développement urbain et capacité des réseaux urbains. Le mitage de l'espace a contribué aussi à tirer du réseau
Ce qui représente in fine des coûts très importants pour les collectivités. Donc l'objectif, c'est aussi d'analyser dans le cadre du travail sur le zonage la présence des réseaux, que ce soit assainissement, réseau d'eau ou d'électricité. Donc vous avez sur chaque axe une carte de synthèse qui fixe un peu les principes à l'échelle du territoire, avec bien sûr répartis à l'échelle des bassins de vie les objectifs qui sont fixés dans chacun de ces axes. Deuxième axe, accompagner le développement démographique et résidentiel. Dans cet axe-là, l'objectif, c'est de renforcer vraiment les trois bourgs-centres que sont Maubourguet, Vic-en-Bigorre, Rabastens-de-Bigorre, mais aussi de s'appuyer sur des communes qui peuvent être des communes relais, comme au nord du territoire Castelnau-Rivière-Basse, qui a un certain nombre d'équipements, ou encore sur la partie sud, la commune d'Andrest, qui là aussi, même si elle n'est pas considérée comme un bourg-centre, compte à la fois des équipements, des commerces et puis de l'emploi aussi pour fixer de la population. Donc s'appuyer sur le maillage des polarités et des bassins de proximité du territoire pour conforter l'offre d'équipements et de services à la population et aux entreprises. Organiser aussi une mobilité optimale et durable pour tous. Là aussi, l'objectif, ce n'est pas de contribuer à développer les mobilités, mais essayer de mieux les gérer. Le positionnement des zones à urbaniser sur une commune doit permettre, in fine, de mieux gérer ses déplacements quotidiens, éviter que tout le monde prenne sa voiture pour aller amener, notamment sur les bourgs-centres, les enfants à l'école ou autre. Alors, c'est aussi changer un peu de mentalité, mais c'est au moins donner la capacité de le faire. Et puis, troisième objectif, améliorer la desserte numérique sur l'ensemble du territoire. L'objectif de développement numérique doit être un objectif qui doit être développé dans le cadre des PADD, même si la seule communauté, même si elle y participe, n'est pas la seule en termes de compétences sur ce point-là. Il y a aussi le département avec le schéma de développement numérique à l'échelle du département des Hautes-Pyrénées. Donc là aussi, vous avez une carte qui vous explique en gros les grands principes en termes de mobilité et de développement démographique et résidentiel, avec bien sûr le maillage avec les trois pôles principaux du territoire, Maubourguet, Vic, Rabastens de Bigorre, et puis les pôles relais, ce qui fait un axe quand même assez structurant dans la vallée de l'Adour. L'objectif aussi, c'est sur la question des mobilités, j'en ai pas parlé, mais c'est de développer les mobilités douces, au-delà des mobilités quotidiennes, mais aussi les mobilités touristiques. Créer aussi des espaces de stationnement pour aider aussi à développer le covoiturage sur des axes stratégiques de la communauté de communes. Et puis permettre le maintien aussi et le développement d'une offre de transport en commun performante et adaptée, notamment en direction de l'agglomération de Tarbèze. Sur l'axe 3, promouvoir un développement économique durable s'appuyant sur les spécificités locales. Dans cet axe, vous allez retrouver quatre grands objectifs qui sont à la fois maintenir et développer l'économie présentielle et touristique au service du territoire et de ses habitants. Dans l'économie présentielle, c'est tout ce qui correspond à l'économie liée à une population qui habite sur le territoire, les commerces de proximité, l'artisanat, etc. Donc l'objectif du PLUI est aussi de traduire via un zonage adapté, des projets qui pourraient émerger sur le territoire en lien avec ce développement économique. Développer aussi les filières économiques innovantes en lien avec les spécificités économiques du territoire. L'objectif, c'était de ne pas se fermer de portes en termes de filières pour bien adapter la traduction réglementaire du PLUI sur les zones d'activité ou même sur les zones spécifiques ou les centres-bourgs. Troisième objectif, conforter les zones d'activité économique du territoire et assurer un aménagement qualitatif. Donc il y a diverses zones d'activité sur le territoire et notamment sur les pôles principaux que sont Vic-en-Bigorre, Maubourguet et Rabastens de Bigorre, avec également Montané, Andrest, voilà, sur des secteurs qui existaient déjà ou en projet. Sur ces zones d'activité, on traduit essentiellement le SCOT. Et enfin, dernier objectif de ce troisième axe, c'est pérenniser les activités agricoles, viticoles et encourager leur diversification.
Aujourd'hui, sur les coteaux notamment, on voit une fermeture de plus en plus importante des espaces, ce qui n'est pas trop le cas de la vallée de l'Adour, mais ce qui est un peu le cas sur les coteaux du territoire, que ce soit les coteaux béarnais ou les coteaux plutôt sur le Rabastinois. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner l'agriculture via une traduction réglementaire adaptée. C'est-à-dire que s'il y a des projets de diversification, mais on doit, dans le cadre du PLUI, permettre la réalisation de ces projets. Et au-delà de ça, permettre le maintien de l'outil de production qui est, entre guillemets, la terre agricole. Pour cela, il y a un diagnostic agricole qui a été fait sur l'ensemble des communes avec le repérage des exploitations. Donc ça a été fait de manière sérieuse pour que derrière, les élus puissent aussi travailler avec ces éléments-là. Donc, vous avez aussi sur cet axe-là la carte de synthèse. Alors, vous voyez en violet les différentes zones d'activité du territoire où elles se situent, alors plutôt sur la partie centrale du territoire. Et puis, bien sûr, un territoire très agricole, hormis là où on a de la forêt sur les coteaux. Mais vous voyez, la carte reflète les îles opaques aujourd'hui présents sur le territoire, c'est-à-dire toutes les terres déclarées aujourd'hui. Donc, on voit que vous êtes un territoire relativement agricole. Et dernier axe, préserver et valoriser le patrimoine paysager, bâti et naturel, atout majeur de la qualité du cadre de vie. Cet axe, il est très important car il vient traduire à la fois les objectifs en termes de préservation des paysages. Et Dieu sait qu'ils sont divers sur le territoire avec des paysages viticoles, des paysages de coteaux, des paysages de plaine. Et puis, cet axe vise aussi à protéger tout ce qui est milieu naturel et trame verte et bleue. Donc, comme premier objectif qui est protéger les milieux naturels remarquables et ordinaires constitutifs de la trame verte et bleue, pour ceux qui ne sont pas initiés, tout ce qui est trame verte et bleue, c'est à la fois les grands réservoirs de biodiversité qu'on peut retrouver sur le territoire, les grands boisements, les cours d'eau majeurs comme le lit de la Dour, la Rosse, etc. Et puis, on a les corridors écologiques, c'est-à-dire ces liaisons qui font... qui se situe entre justement ces réservoirs de biodiversité. Aujourd'hui, il y a un schéma régional de cohérence écologique qui existe, qui a été traduit dans le SCOT, et le PLUI doit venir affiner cette traduction en termes de préservation de l'environnement. Donc, ça a été fait en termes de traduction des zones agricoles et naturelles. Deuxièmement, préserver et mettre en valeur la qualité des paysages et du patrimoine bâti et végétal. Aujourd'hui, comme je disais, les paysages sont relativement divers. Qu'on se situe dans la vallée de l'Adour ou sur les coteaux béarnais, on n'est pas du tout sur les mêmes entités paysagères. Donc l'objectif aussi, c'est d'adapter le développement urbain en fonction de ces entités paysagères. Le PLUI vise vraiment à préserver les vues sur les Pyrénées, la silhouette des bourgs, etc. Parfois en limitant même la possibilité de construction ou la hauteur des bâtiments, pour qu'on puisse vraiment avoir une traduction au plus près du terrain. Et puis, troisième objectif, limiter l'exposition des populations et des biens contre les risques et nuisances. Le territoire aujourd'hui est soumis à de nombreux risques, et notamment un majeur qui est le risque inondation, avec la présence sur le territoire de plans de prévention des risques naturels, comme celui de l'Adour. Il y en a un qui a été approuvé récemment aussi sur la Rosse, la partie plutôt côté Rabastens de Bigorre. Avec des communes qui sont parfois très impactées. La commune de Vic est d'ailleurs impactée par un plan de prévention des risques qui s'impose, lui, en termes de servitude, au PLUI. Donc, on ne peut pas, entre guillemets, adapter le PLUI sur cette question-là. C'est vraiment une servitude qui vient s'imposer au PLUI et qui doit être, bien sûr, prise en compte. Et puis, en termes de nuisances, on a tout ce qui est nuisances agricoles. C'est pour ça que, par exemple, bâtiments d'élevage sont repérés pour qu'on puisse mettre un rayon de 100 mètres de protection autour des bâtiments d'élevage pour essayer de limiter les nuisances en fonction des zones résidentielles. Tout ça, c'est géré dans le cadre du PLUI et avec un règlement, bien sûr, adapté derrière. Et enfin, dernier point, c'est gérer durablement les ressources du territoire. Alors, en termes de ressources, c'est à la fois la ressource en eau, essayer de limiter l'impact sur la ressource en eau en termes de quantitatif mais aussi qualitatif. Donc pour ça, le règlement va venir essayer de gérer la question des eaux pluviales, la question du raccordement au réseau, etc.
Et puis, la ressource sol également. Vous avez quelques gravières sur le territoire. L'objectif, ce n'est pas forcément de développer de nouveaux sites, mais de permettre aux gravières existantes de perdurer. Voilà à peu près pour les ressources au sol. Et ensuite, vous avez dans le PADD une carte qui résume, entre guillemets, l'ensemble des axes, avec, bien sûr, on retrouve les trois grands pôles, les objectifs de développement sur chacun des bassins de vie, les communes relais que sont Castelnau, Rivière-Basse et Andrest, les bourgs que vous voyez en rouge éparpillés, ils sont nombreux, ou les gros hameaux qui vont peut-être accueillir un développement de l'urbanisation. Et je ne l'ai pas assez précisé, je crois que j'ai encore un peu de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus un document d'urbanisme comme on faisait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. L'objectif, c'est quand même de resserrer l'urbanisation, d'essayer de densifier et de donner la priorité à ce qu'on appelle aujourd'hui des dents creuses. Donc on est en train de faire un travail avec les élus assez précis pour savoir qu'est-ce qu'on vient densifier dans un bourg et qu'est-ce qu'on vient aussi préserver. Parce que même si la loi, les services de l'État, le code de l'urbanisme nous poussent à une intensification, l'objectif c'est aussi de repérer ce qui fait la qualité de vos centres-bourgs. Et il peut y avoir parfois des parcelles, des parcs, des jardins qui constituent quand même un intérêt particulier pour la vie des communes. Donc on fait ce travail précis sur chacune des communes pour voir là où on peut venir, pourquoi pas rajouter une maison ou deux, et les endroits où justement il vaudrait mieux respecter l'implantation bâtie traditionnelle, préserver les cœurs d'îlots. Donc tout ça est fait avec chacune des communes du territoire. Voilà à peu près, c'était très résumé, mais j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai essayé d'être assez rapide. Juste avant de repasser la parole à monsieur le maire, un point de calendrier. Le diagnostic a été réalisé, le PADD est débattu actuellement dans chacun des conseils municipaux, dans chacun des conseils municipaux des communes membres. Il sera débattu en conseil communautaire assez rapidement. La traduction réglementaire est en train d'être réalisée avec chacune des communes en parallèle, parce qu'il faut vraiment que le zonage, le travail qu'on fait sur le zonage avec les élus, sur les orientations d'aménagement et de programmation, qui là aussi sont des schémas d'aménagement qu'on réalise sur les secteurs stratégiques, soient faits en cohérence avec les axes de ce PADD. Tout ce qui est travail sur les zones agricoles et naturelles est en train d'être affiné. Et puis, il y aura un règlement écrit et graphique. Idéalement, en décembre, on arrête le projet de PLUI. L'arrêt du PLUI, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça veut dire que les études techniques sont terminées. Et on va passer ce dossier pour 3 mois pour avis à l'ensemble des 72 communes, plus aux personnes publiques associées qui vont avoir un regard sur le travail qu'on aura mené, très fin, je pense, d'ailleurs, et qui sont l'État, les chambres consulaires, le schéma de cohérence territoriale, le département, la région. Et puis, une fois qu'on aura ces avis, on pourra lancer l'enquête publique en suivant et puis l'approbation. Voilà. Simplement, déjà, merci de nous avoir accueillis, puisque vous avez souhaité que le bureau d'études vienne vous présenter. Donc, c'est bien la municipalité qui a souhaité que le bureau d'études vienne présenter le PADD. Ce n'est pas la communauté de communes qui a proposé quoi que ce soit, que les choses soient très claires ici. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est de dire que sur Vic, il n'y a pas de sujet. Hein, sur Montbourguet, un petit peu plus, mais ça a été.
Et sur Abastens également, un petit peu plus. Pourquoi sur Vic, il n'y a pas de sujet? Puisque vous avez acté votre PLU il y a très peu de temps et que le PLU était déjà, répondait déjà à toutes les attentes législatives. Il était compatible avec, avec le SCOT, je ne me trompe pas, c'est bien ça, Céline? Et que donc, bon, il n'y a pas de, de sujet, sujet chez vous. Pour autant, on a des sujets au niveau de la communauté de communes, et bien, c'est de faire comprendre aux communes rurales bien, le renforcement des bourgs-centres. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire. On a passé 3 heures cet après-midi en réunion en présence du secrétaire général et des services de l'État pour bien, essayer de décortiquer un petit peu tout ça et l'inquiétude des communes rurales autour de nos bourgs-centres qui disent eh bien, on va perdre nos écoles, on va perdre nos, nos services. On a eu ces, ces débats-là, en sachant qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas du tout de, entre guillemets, si je peux employer ce terme-là, puisque ça a été employé cet après-midi, de tuer les communes rurales, ce n'est pas du tout le but. Mais si on veut avoir un territoire fort, il faut qu'on ait ben, des bourgs-centres forts. Ne rêvons pas. On regarde aujourd'hui ce qui se passe dans nos écoles, pour être clair, je suis maire de la commune de Laye-Toupière, j'ai une école sur ma commune, j'ai eu l'occasion d'en parler cet après-midi. Je sais que dans 2 ans, eh bien, j'aurai plus d'enfants dans mon école, tout simplement parce qu'il n'y a plus de naissance sur la commune. Et on est pourtant en RPI et on sait qu'on a de grandes difficultés. Et que donc, eh bien, il va falloir qu'on s'organise autrement et faire évoluer les RPI pour pouvoir maintenir nos écoles en milieu rural. Mais certainement, j'en débat au niveau de ma commune, je pense qu'en effet, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être, et je l'espère, le plus tard sera le mieux, ben, je perdrai mon école sur ma commune. Ce n'est pas le fait du PLUI, c'est le fait tout simplement ben, qu'on a de moins en moins de monde qui vient s'installer sur notre territoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément de développement économique qui permet à de jeunes couples de venir s'installer. Par définition, les jeunes couples peuvent faire des enfants. Et bon, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout le monde connaît cette mécanique-là. On entend, ci et là, ben, ces documents d'urbanisme vont bloquer le développement de notre commune, de notre territoire, pardon. Moi, je pense que c'est le contraire. Je crois que c'est parce qu'on aura une vision, qu'on aura des perspectives, qu'on sait où on va, et qu'on pourra maintenir certaines choses sur nos territoires. Et je le redis, pas parce que je suis à Vic, j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs, si on n'a pas des bourgs-centres forts, ben c'est, notre territoire aura beaucoup, beaucoup de mal. Les services sont essentiellement sur les bourgs-centres, on a quelques services encore en milieu rural et tout ce qu'on peut maintenir, il faut le maintenir. Mais je le redis, le renforcement des bourgs-centres, eh bien, à mon avis, c'est la sauvegarde de notre territoire. Et je le pense sincèrement. Voilà. Je voulais juste rajouter ces quelques mots-là, mais pour dire que sur Vic, je crois qu'il n'y aura pas de sujet majeur au niveau du PLU. Et je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait avec la commission urbanisme. Hein. Je pense que vous êtes vu cet après-midi, vous avez eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises. Voilà. Je complète, ça ne veut pas dire qu'il y aura peut-être moins d'accueil de population. Le fait de passer d'une taille moyenne, par exemple, de parcelle de 3000 m² à 1500 m², parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne veut pas forcément 2000, 2500, 3000 m², contribue aussi à modérer cette consommation d'espace. Donc, c'est essayer de juste la modérer et de mieux développer pour atteindre ces objectifs. Ouais.
Est-ce que... Ah, voilà. Ah, oui, très bien. Bon, donc, reprenons l'ordre du jour avec, après cette présentation du PADD, avec d'abord l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est sur le transfert de la compétence GAS. Donc, le SDE nous a sollicité, le SDE 65, le service départemental d'énergie, nous a sollicité parce qu'il propose un nouveau service, c'est-à-dire le fait qu'il s'approprie la compétence GAS et qu'il représente les communes qu'il a détenues sur différentes problématiques liées au GAS. C'est un nouveau service qu'ils offrent, et là, il y a un peu plus d'une centaine de communes des Hautes-Pyrénées qui ont déjà délibéré favorablement pour ce transfert de compétences, tout simplement parce que la plupart du temps, je crois quasiment toujours, peut-être pas à Tarbes, mais c'est peut-être la seule exception, il est difficile d'avoir les compétences en matière technique au niveau des agents pour aller s'intéresser à toutes les problématiques qui concernent le GAS. Donc notamment, vous pouvez voir dans l'exposé des motifs du projet de délibération, il y a des enjeux de sécurité, des enjeux de service client. Il y a également un enjeu au niveau de la redevance d'occupation du domaine public qui peut rapporter éventuellement de l'argent à la commune. Et le SDE se propose de prendre cette compétence à partir, si nous délibérons favorablement, je crois, du 1er janvier 2020. Semble-t-il. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Des oppositions, des abstentions. Très bien, je vous remercie. Le point numéro 3 concerne la résiliation et la réattribution d'une concession de cabane de chasse. Et je donne la parole à M. Abadi. Donc, vu les demandes de résiliation et d'attribution de cabane de chasse au sol déposées respectivement par M. Chapeux et Vincent, il est proposé au Conseil municipal d'accepter la résiliation de la concession de cabane de chasse numéro 13, située canton du Marmajou, à compter du 1-10-2019. Cette concession avait été accordée à M. Chapeux. Et d'attribuer cette même concession à M. David Vincent pour une période de 9 ans, à compter du 1-10-2019, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 20 euros. Et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à la formalisation ou à l'exécution de ces décisions. Des questions sur la cabane ? Non ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Voilà, c'était la dernière cabane. C'était la dernière cabane. Donc, merci pour ce vote à l'unanimité. Point numéro 4 maintenant, une décision modificative du budget, et je donne la parole à Mme Georges Guillard. Donc cette décision modificative est motivée par des travaux supplémentaires route de Rabastens, d'une part, et un ajustement entre l'opération Cœur de Ville et l'opération Voirie. L'opération Cœur de Ville a surtout nécessité des travaux de voirie. Donc... Il est proposé donc les modifications suivantes, d'alimenter la route de Rabastens avec la diminution de crédit sur le matériel et l'équipement pour une valeur de 30 000 euros et d'alimenter les voiries sur le budget cœur de ville pour un montant de 43 000 euros. Y a-t-il des questions ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Alors, Monsieur Lestrade, je vous donne la parole si vous prenez le micro. Tu remarques par rapport à ça, moi je trouve que c'est très intéressant, les travaux qui ont été faits sur la route de Rabastens, notamment sur les trottoirs, parce que ça fait longtemps qu'ils étaient dégradés. Par contre, j'ai quelques remarques par rapport à l'organisation du travail qui a été fait. D'une part, parce qu'effectivement, les trottoirs ont été faits en goudron, donc je pense que c'est un souci d'économie, ça je peux le comprendre, sauf qu'effectivement, quand on y passe dessus l'été, c'est chaud, et les riverains s'en plaignent aussi. Deuxième remarque aussi qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, il y avait des gouttières. Donc, les propriétaires ont des gouttières qui se mettent, donc, qui vont se déverser dans les chenons. Sauf qu'effectivement, ces gouttières-là ont été mises dans le goudron. C'est-à-dire qu'effectivement, la prochaine fois que quelqu'un va faire des travaux,
il faudra démolir la partie basse. Et troisième remarque, c'est aussi sur le manque de concertation qu'il y a pu avoir avec les riverains, puisque moi je suis sur la route Rabastens, et notamment sur le marquage au sol, puisqu'effectivement, on s'est aperçu, plusieurs riverains, qu'on ne pouvait plus sortir chez soi. Voilà. Ça a été réparé, ça a été effacé, mais je trouve que c'est dommage, parce qu'en termes d'économie, on aurait pu faire l'économie en concertant les gens, effectivement, de ces passages qui fonctionnaient avant. Voilà, c'est une remarque. Très bien, merci. Alors, pour répondre rapidement, sur le goudron, effectivement, c'est une question d'économie par rapport à d'autres vêtements beaucoup plus onéreux, et comme la rue est longue et qu'elle devait être rénovée depuis bien longtemps, on a pensé qu'il était préférable pour les riverains d'avoir quelque chose de plus rapide. Par ailleurs, ces riverains ont été consultés. Ils ont été consultés au travers d'un sondage qui a été fait sur tous les riverains de la rue. Donc, là-dessus, c'était le policier municipal qui est venu et qui a sonné dans toutes les maisons. Je ne sais plus à quelle période ça s'est fait. Alors, mais Monsieur Constantin, peut-être si vous voulez me rafraîchir. Moi, je peux vous dire. Attendez, je vais vous redonner la parole. Allez-y, Monsieur Constantin. Oui, l'ASVP, le policier municipal, ont fait donc tous les riverains de la rue. Donc il y a eu un retour d'une cinquantaine de questionnaires sondages qui ont été retournés en mairie. Et lorsqu'il n'a pas pu rencontrer les propriétaires, ça a été le cas, ça représente que 4-5 riverains de la rue, sur l'ensemble de la rue. Écoutez, moi je peux vous dire, parce que moi j'étais en arrêt de maladie, donc effectivement j'ai vu la personne qui est venue chez moi à 2h l'après-midi, mais comme j'étais là, mais trop, je répétais là, et je connais d'autres propriétaires qui n'ont pas été consultés. Voilà. Les locataires ont été peut-être consultés, mais pas les propriétaires. Alors, donc, vous confirmez donc, c'est assez curieux comme démarche, puisqu'en fait, vous confirmez que vous avez vu la personne qui est venue demander l'avis des riverains de vos yeux, après avoir dit qu'il n'y a pas eu de concertation. Donc ça, c'est tout de même assez curieux Monsieur le maire. Comme façon. Pardon, je vais vous redonner la parole. Voilà. Et après, sur le troisième point concernant les gouttières, on pourra regarder effectivement s'il y a eu là-dessus une erreur de fait dans les travaux, parce qu'on ne prétend pas tout faire parfaitement. On essaie de faire au mieux, mais ça, c'est un point sur lequel on pourra regarder. Oui. J'entends bien ça. On ne peut pas tout faire comme il faut. Sauf qu'effectivement, au niveau de concertation, il n'y a pas eu de concertation sur tous les riverains. Voilà. C'est tout ce que je dis. Non, mais précisément, si on vous dit qu'il y a eu 50 questionnaires de rendu des riverains, donc si vous appelez pas ça une concertation... La différence entre locataire et propriétaire. Mais des riverains, je parle des propriétaires. Effectivement, pas des propriétaires, mais des gens qui occupaient. Très bien, on a donné l'avantage. Vous savez, s'il faut retrouver à chaque fois les propriétaires de chaque lieu, déjà, on a vraiment regardé les riverains, parce que jusqu'à preuve du contraire, les riverains, c'est ceux qui habitent dans la rue. Donc, excusez-moi, mais là-dessus, je trouve que là, vous cherchez la petite bête, parce que alors qu'on a eu une démarche où on a consulté, on a fait un questionnaire, on a eu donc 50 réponses en mettant entre 55 et 60 qu'on aurait pu avoir. Honnêtement, nous dire qu'on n'a pas consulté, écoutez, c'est votre avis, je vous le laisse. Une autre question, Monsieur Paul. Mais que ça a été partiel. Oui, enfin, vous parlez de consultation, mais enfin, je vois pas quelqu'un qui habite au bord de la rue qui va accepter qu'on mette une place de stationnement devant chez lui qui puisse pas sortir. Et c'était pas une place, il y a eu plein de personnes. La preuve, c'est que vous avez dématérialisé les emplacements pour en remettre ailleurs, ce qui fait le coût du marquage, le coût du démarquage et le coût du remarquage. Donc si la concertation avait été bien faite, on n'aurait pas été obligé de refaire ça. Quant aux dauphins, ça s'appelle les dauphins, les bas de gouttière qui viennent, chaque fois qu'on descend une descente de gouttière, on fait un regard en pied. Le jour où il y aura des feuilles à l'intérieur qu'il faudra déboucher, il faut qu'on puisse accéder. Ça a été les dauphins. Il n'y en a pas de dauphins. Les gouttières sont enfouies dans le goudron, au moins sur la partie longue de la route de Rabastens. Par contre, ça a été bien fait sur la partie anciennement Maignon, là, sur cette rue-là. Là, il y a les regards et tout ça. Ça s'appelle Rutière. La Rutière, voilà. Et j'avais oublié. Merci. Et par contre, sur cette rue-là, ça a été bien fait et les regards ont été faits. Très bien. Merci pour ces remarques. Moi, je constate que cette rue et ces trottoirs étaient dans un état critique
Moi, j'ai 37 ans, je me souviens pas les avoir vues une seule fois dans un bon état. Et donc, elles méritaient d'être refaites et elles ont été refaites dans ce mandat. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Je vais donc faire voter le point numéro 5. Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions ? Merci. Point adopté. Point numéro 6. Non, point numéro 5, pardon. C'était le point numéro 4 qu'on vient de faire voter, excusez-moi. Le point numéro 5, en revanche, je vais redonner la parole à Madame Georges Guillard sur une légère évolution du programme Travaux Cœur de Ville pour adapter le plan de financement. On parle d'une évolution extrêmement marginale. Voilà, une modification mineure du plan de financement pour un montant de 2714 euros. Donc c'est vraiment mineur sur la totalité qui est de 186 214. Donc c'est simplement une modification pour nous permettre de nous mettre en cohérence avec les services de la préfecture sur le dossier qui a été déposé en avril. Donc nous demandons d'approuver cette modification et d'autoriser Monsieur le maire à déposer auprès de la région Occitanie un dossier demande de financement. Y a-t-il des questions sur ce point ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Point suivant. C'est pas une question, mais sur le vote précédent, je voulais être sûr que M. Constantin ait bien noté que nous sommes en opposition et non pas abstention. On a levé la main, mais comme vous avez fait très vite, De toute façon, sachez qu'à l'issue de chaque conseil municipal, si vous voulez préciser votre vote, il n'y aura pas de souci. Le vote de chacun sera bien pris en compte dans le sens où chacun a voulu l'exprimer. Donc, point numéro 7. Point numéro 6, du coup, j'ai un coup d'avance à chaque fois. Donc, il s'agit justement de ce qui occupe principalement notre conseil municipal. C'est le débat sur le PADD du PLU. Donc, vous avez eu la présentation par le bureau d'études, une explication par le président. Et il s'agit maintenant que chaque personne ou chaque groupe qui le souhaite puisse faire entendre son avis sur le PADD du PLUI. Moi, je ferai juste une petite remarque. Alors, monsieur Lestrade, monsieur Paul, venez de lever la main, mais je vous donne la parole aussi si vous voulez. Mais voilà, il n'y a pas de souci, mais simplement comme ça, on procède. Donc, monsieur Lestrade, allez-y. Non, juste pour. C'est vrai qu'on a vu donc, ce soir ce compte rendu, donc c'est difficile de dire quelque chose tant qu'on n'a pas digéré un petit peu les documents qui ont été présentés. Donc, aujourd'hui, nous, on ne prendra pas de position particulière. D'étudier ce dossier-là. Y a-t-il d'autres remarques ? Monsieur Paul ? Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit le président tout à l'heure en disant la densification du bourg-centre. Je voulais profiter de ce qu'on parle de la densification du bourg-centre pour alerter l'ensemble des élus, puisqu'on n'a pas été alerté par votre biais ni par personne d'autre, que la perception de Vic fermera au 31-12 et que quand on parle de densification de bourg-centre, quand on parle de service public et de proximité, nous allons perdre notre perception à Vic. Ça veut dire que les Vicois devront aller à Tarbes pour remplir les opérations qu'ils faisaient aujourd'hui à Vic. Je trouve que, alors je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler, monsieur le maire, mais je pense que c'est le rôle des élus que de défendre le maintien des services publics dans un milieu rural. Et qui plus est quand on est bourg-centre. Voilà, donc j'ai appris ça samedi matin au marché, c'est pour ça que ce n'est pas une question diverse. Je n'ai pas pu le mettre puisque je l'ai appris que samedi matin. Voilà. Très bien. Je ferai une réponse après le débat sur le PADD là-dessus. Y a-t-il d'autres remarques sur le PADD ? Non ? Je vais peut-être moi-même en faire une. Dire d'abord que ce PADD du PLUI correspond aux orientations qui avaient été prises lors du PLU adopté il y a 2 ans par la commune de Vic,
tout simplement parce qu'en réalité, le PADD doit être en accord avec l'ensemble des servitudes, comme le PPRI, doit être en accord avec l'ensemble des lois, notamment la loi Allure, et doit correspondre aussi aux autres documents d'urbanisme, et notamment le SCOT, qui est en fait un PLUI plus important au niveau du pays. Donc en réalité, tous les documents qu'on nous a présentés vont complètement dans la droite ligne du SCOT qui a été approuvé il y a quelques années et qui a été issu d'un travail sur lequel vous avez d'ailleurs beaucoup d'entre vous étaient là dans les mandats précédents sur ces réunions-là. Donc en réalité, ça reprend exactement la même chose. Il y a quelques évolutions législatives, mais c'est vraiment dans le détail. Les grandes lignes vont dans le même sens. C'est un document politique dans le sens où il répond à des lois qui ont été des orientations politiques. La loi Allure résulte d'une orientation politique et d'autres aussi. Il est politique, mais honnêtement, avec quand même assez peu de marge de manœuvre sur les éléments qu'on peut décider en local, mais qui sont quand même, quand on connaît le territoire, assez naturel. C'est-à-dire que comprendre que dans la communauté des communes à Dourmadiran, il y a trois bourgs centres prépondérants et avec un axe nord-sud qui est prépondérant, bon, je pense que tout le monde peut quand même comprendre ça sans que ça fasse polémique. Et donc ensuite, à l'intérieur de ce document, il n'est pas... C'est le politique qui le conduit, mais au fond, il y a peu de marge de manœuvre possible, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un consensus. Ce qui ne sera pas nécessairement le cas sur des communes plus rurales, qui, elles, n'avaient pas beaucoup d'entre elles n'avaient pas travaillé sur des PLU, et qui vont voir justement là plus d'évolution que ce qu'on a pu connaître à Vic. Donc ce sera probablement plus problématique ou plus polémique ailleurs, mais pour nous, honnêtement, ça va dans un sens sur lequel on avait déjà travaillé, en cohérence avec le SCOT. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point. On peut fermer le débat sur le PADD. Je vais répondre rapidement à Monsieur Paul sur le fait que oui, effectivement, la trésorerie de Vic fermera. Le projet du gouvernement actuel a été de fermer l'ensemble des trésoreries, sauf et de garder une grande trésorerie dans les préfectures. Ça doit être le cas dans 90% du territoire français. Effectivement, ça peut être un sujet. C'est un sujet qui concerne les Vicois, qui ne relève pas directement de l'action de la commune. Sachez simplement que, mais j'aurai l'occasion de pouvoir m'exprimer là-dessus, dans cette fermeture, j'ai essayé de négocier, je pense qu'on aura réussi, autre chose, c'est pas la même chose, mais une sorte de compensation pour la commune de Vic. Voilà, j'en parlerai quand j'aurai plus d'éléments. Voilà. Point suivant, c'est le point numéro 7. Et je vais donner la parole à Madame Chartrain. Il ne faut pas voter. Oui, excusez-moi, dans la convocation, il y a marqué approbation, mais effectivement, c'est une erreur dans la convocation. Il n'y a pas de vote sur le PADD, c'est simplement un débat avec les éléments qui seront pris. Point numéro 7, Madame Chartrain. Oui, les parcelles cadastrées section AV 628, 633, 635, 639 et le numéro 415 sont situées au sud de la commune, plus précisément à la lisière de la rue Sabaté. Il y a une proposition de cession à la commune à l'euro symbolique et elles vont permettre l'alignement de cette rue Sabaté. Voilà. Donc, on vous demande de bien vouloir permettre cet alignement. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 8, sur les ressources humaines, mise à jour des conditions d'astreinte, et je donne la parole à M. Roucault. Donc, il s'agit d'une mise à jour des tableaux de rémunération des astreintes et des agents. Vous les avez tous reçus par mail. Ce sont des tarifs réglementaires décidés par décret. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette mise à jour qui est sur laquelle on doit délibérer, mais qui est une formalité ? Pas de questions ? Y a-t-il des oppositions ? Ah, une question. Monsieur Paul. Ce qu'on aurait souhaité, c'est avoir le tableau d'origine pour voir l'impact que ça avait
avant et après, quoi, pour voir l'évolution. Ça, je regrette qu'il ne soit pas. Et la deuxième question, c'est de savoir au niveau de ces astreintes, à partir de quand, c'est à partir d'aujourd'hui que ça prend effet ? Oui. Oui, et le tableau d'origine, c'est le tableau que vous avez reçu, c'est la colonne de droite. Astreinte de décision ? Tout à fait. C'est trois choses différentes, visiblement. Hein. Oui. Oui, mais le tableau d'origine n'avait que cette colonne-là. Il n'y avait qu'une ? D'accord. Okay. Voilà. Ensuite, il n'y a pas énormément d'astreintes pour rebondir. C'est surtout quand il y a des week-ends comme la fête à Vic, la fête de la musique, les tablés. Voilà, c'est vraiment souvent qu'on doit fermer les routes. D'accord. Voilà. Et il n'y aura pas de rétroactivité, ça démarre à partir d'aujourd'hui. Ça démarre à partir d'aujourd'hui. L'avenir. Tout à fait. Ok. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur cette mise à jour des astreintes ? Non ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté, je vous remercie. Et enfin, dernier point, il s'agit, donc c'est le point que j'ai rajouté au début de la séance, de la création d'une nouvelle commission communale sur les dénominations et la numérotation des rues. Pourquoi ? Tout simplement, on a été sollicité par la communauté de communes sur le fait que toutes les rues de la zone d'activité de la RAI ne portent pas de nom. Quand on a évoqué ce point-là en bureau, plusieurs élus ont fait part du fait que, pour eux, il y avait aussi d'autres endroits à vie qui mériteraient d'être plus précisément nommés ou dont le nom ne correspondait pas à la réalité. Question de placette plutôt que de rue, question de lieu-dit, etc. À partir de là, pour avoir un travail serein et de long terme et exhaustif, je propose la création d'une commission communale qui sera dédiée à ce travail. J'ai fait envoyer cette proposition aux différents groupes en leur proposant de proposer un représentant. Donc les groupes ont répondu et les représentants seraient Monsieur Robert Méliamol, Madame Carole Cazanave, Monsieur Philippe Lestrade. Et pour cette commission serait présidée par Madame Chartrain, adjointe à l'urbanisme. Et les autres membres du conseil majoritaire, du groupe majoritaire seraient M. Abadi, Mme Buille, Mme Carrère et M. Vergès. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Hérault ? Oui, j'avais posé la question éventuellement pour cette commission, dont les enjeux ne sont quand même pas phénoménaux. Si l'un d'entre nous n'était pas disponible, est-ce qu'éventuellement il pourrait être remplacé par quelqu'un du groupe ? La réponse m'a été faite qu'effectivement, ce n'était pas possible. En fait, il n'y a pas de remplaçant dans les autres commissions. Donc voilà, on essaie d'avoir. Il y a suffisamment de commissions et on essaie de faire en sorte de ne pas avoir en plus les remplaçants. Puisque s'il y a des remplaçants, ça veut dire qu'il faut reprendre le travail en réexpliquant certaines choses. Donc. L'idée d'une commission, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant. Et si on commence à mettre des remplaçants dans cette commission, il n'y a pas de raison de ne pas la mettre dans d'autres. Donc l'idée, c'était, elle va peut-être se réunir avant la fin de ce mandat. Si elle se réunit deux fois, déjà, ce sera beaucoup. Donc on essaiera de trouver une date qui corresponde aux emplois du temps des uns et des autres, sachant qu'il n'y a pas d'urgence. Enfin, c'est des sujets qu'il faut traiter, mais pas d'urgence. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Paul. Alors, c'est pas une question par rapport à cette commission. C'est une remarque juste. Par rapport à ? Ce n'est pas par rapport à cette commission. C'est une remarque que je souhaitais faire. Par rapport au travail des commissions. Faites une remarque. Voilà, c'était juste avant que vous ne clôturiez le conseil. Vendredi dernier, il y a eu lieu la réunion concernant le marché avec un déplacement du marché de la place de Gambetta sur les allées. J'ai alerté à cette commission le fait que si demain, en mettant les commerçants non sédentaires sur les allées, il y avait un incendie sur une des maisons, les pompiers ne pourraient pas passer. On m'a répondu que si. Je suis passé samedi prendre des photos. Je vous défie de faire passer un camion de pompiers. Même une brouette de pompiers, elle passait pas. C'est quand même quelque chose d'important. Là, s'il y avait un incendie au Tivoli sur la partie arrière,
les pompiers ne pouvaient pas accéder. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on prenne à la rigolade. Il faut quand même cette décision de décaler les... C'est une décision qui a été prise. Bon, moi, je n'étais pas d'accord, mais elle a été prise. Par contre, j'ai interpellé l'ensemble des membres de la commission pour dire attention. Alors, d'accord, on ne peut plus passer avec les pompiers le long de la halle en marché, mais au pire, là, c'est un malaise, les pompiers peuvent se déplacer. Par contre, un incendie, c'est plus compliqué, la grande échelle, enfin, etc., etc. Donc, j'ai demandé à un pompier, un officier de pompier qui était là, je lui ai demandé son avis, il m'a dit, ça serait très compliqué, donc, puisque voilà. Et là, il y avait peu de commerçants. Donc, on veut développer les allées et les commerces par là-bas, je pense qu'on va. Alors, je le souhaite pas, hein, bien sûr, hein, mais c'est un risque que je voulais qu'on note au conseil, s'il vous plaît. Très bien. Alors, Monsieur Paul, d'abord, personne ne prend le sujet de sécurité à la rigolade, comme vous dites. Et sachez que, en ce qui concerne le marché, il y a des problématiques de sécurité incendie dans quelques configurations que ce soit. Et il y a toujours eu une sorte de tolérance, acceptabilité là-dessus, mais on est conscient, y compris dans la formation précédente, devant la place Gambetta, où il y avait toute une partie du Tivoli qui n'était pas accessible également. Donc là-dessus, on prend cette remarque en compte, on la partage également, mais sachez que nous n'étions pas complètement dans les règles non plus, en jour de marché. Et que le SDIS est au courant de cette problématique. Je ne dis pas qu'il s'en réjouit, hein, personne ne s'en réjouit, mais simplement c'est une problématique qui existait aussi auparavant. Je vais donc passer au dernier point, qui est le point pour information. Donc, sur ce point pour information, pardon, excusez-moi, je dois le retrouver. Oui. Nous sommes souvent sollicités en ce qui concerne les demandes de constructibilité de certains terrains que le PLU ne prévoit pas comme étant constructible ou immédiatement constructible. Souvent, ça sollicite l'interrogation des propriétaires qui souhaitent construire et qui nous disent, qui ont des arguments là-dessus pour nous dire, bah oui, mais pourtant les réseaux sont là, etc., etc., etc. Là-dessus, nous, quand on a fait le PLU, on a été aussi contraints par justement ces problématiques d'espace aménageable qui avaient considérablement diminué. Maintenant, on a essayé de penser les choses au mieux, mais avec ces contraintes qui étaient particulièrement contraignantes et dont certains propriétaires ne les ont pas vues au moment où on a voté le PLU. Donc je propose simplement à titre d'information qu'on ait, et ça ce sera en concertation avec la communauté des communes qui a maintenant la compétence, justement un moment, je pense chaque année, ou au moins tous les deux ans, où on ouvre la possibilité à ses propriétaires de faire une demande, alors si c'est avec une modification ou avec une révision du PLUI, il faudra voir selon le type de demande, mais en tout cas qu'on ouvre une enquête publique chaque année pendant un mois, où au moins les propriétaires pourront faire leur demande et voir comment soit la collectivité, soit le commissaire enquêteur, soit une modification, une révision, réagissent à leur demande. Parce qu'on se retrouve dans des situations où le PLU est très contraignant et parfois ça suscite l'incompréhension. Donc il serait bien de pouvoir remettre sur la table de temps en temps. On a déjà fait une modification simplifiée, souvenez-vous, pour des questions de panneaux solaires notamment, qu'on puisse éventuellement répondre à certains cas très spécifiques, que la commission d'enquête puisse le faire. Ce sera la communauté de communes de décider in fine. Et sachez que voilà, je voulais dire qu'au conseil municipal, que je proposerai que ça advienne tous les ans, par exemple. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Le conseil municipal est clos. À très bientôt.